Yo, salut tout le monde, c'est Biscamane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Advance Warfare après le patch qui est sorti il y a 2-3 jours, je sais plus trop. Donc on a une nouvelle arme pour ceux qui ont acheté le premium. Donc normalement je crois que c'est dans armes lourdes, ouais c'est ça. On va prendre celle-ci, voilà. On va mettre juste des petits atouts, impulsion furtive, main leste, et puis profil bas. Ça on vire. Hop. Tac. Ok. Voilà, on va la tester. Merde. Ah, si je me. On va la tester. Puis bah, si c'est de la merde, on prendra une autre arme. Apparemment, ça va, elle est pas dégueulasse. Hop. Donc, on va tester ça. Donc, ouais, le petit. C'était un gros patch apparemment, genre ils ont patché plusieurs armes, donc je sais pas trop lesquelles. Et ils ont remis la feed à 6 secondes. Et elle est plus grosse apparemment, elle est plus nette sur l'écran. Bon, je vais voir ça. J'ai pas retouché. Enfin j'ai pas joué à Advanced Warfare depuis un petit bout de temps. Donc on va tester ça. Voilà, tout simplement. J'étais plus sur PC en ce moment à jouer à Minecraft et tout. Voilà. Bon, on va attendre ça. Oh, j'étais sur le PC, hein. Ça n'avait rien à voir avec l'Xbox. Hop. Donc attendez, voyons voir les. Qu'est-ce que j'ai comme classe? J'ai la MR9 Pro Pipe. Ouais. Ouais, non, ça s'allonge bien. Ça va, elle a un look assez sympa. Elle a un look assez sympa. On va peut-être mettre des killstreaks. Il y aura un petit baladin. Allez, come back, ça fait plaisir. Donc ça veut dire en gros que bah, les nouveaux packs de map vont sortir d'ici un mois. Vu que ça avait fait pareil pour la première arme. Un mois après, il y avait eu les packs de map, donc là ça risque d'être pareil. Faudra voir. Donc c'est cool, ça ramène des nouvelles maps en sachant que. Bon, j'ai un peu joué quand même hein, sur les nouvelles maps et tout du DLC Avoc. Je dis pas de bêtises. Alors, voyons voir cette arme, baby. Elle a un look assez bizarre, je trouve. Mais bon, non, on va tester, hein. On va tester. Alors, attends, je suis en combien en sensi? Ouais. On va se mettre en 15. Alors, voyons voir. Donc, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu. Tout le monde l'utilise, j'ai l'impression. Je suis pas sûr. On pourra voir. Donc ouais, c'est une arme espèce de laser, mais bon, faudra faire gaffe parce que y a quand même des munitions. Lui, il a la même que moi. Oh putain, le bâtard. Donc ça va, le shoot, il est un peu crade, on va dire. J'ai trop l'habitude de la manette. Ah, un petit morse. J'aime bien ramasser les armes. Surtout les snipes. Allez, t'es malheureux, fils de pute. Oui, c'est un fils de pute, je suis d'accord. Je suis pas le mec qui dit fils de pute. Alors, y a pas des gens? Oh le bâtard. Balle 27. Donc, vous avez vu, ils ont rajouté des prestiges le même nombre. Donc, en fait, on passe à 30 prestiges à peu près, je crois que c'est ça. Et à chaque prestige, vous recevez un largage de ravitaillement. D'armes élite et le premier putain lui c'est vraiment un fils de chien. Le premier largage de ravitaillement que vous recevez quand vous passez le prestige 16, c'est une balle 27 obsidienne. Voilà, ça fait plaisir. Putain, mais toi mec, tu commences à me casser les. Alors je sais pas si le mec est AFK ou pas. Bon, ça va, elle est plutôt agréable à utiliser hein. Elle est assez agréable à utiliser, elle est. On dirait pas réellement une arme lourde. Par contre elle a pas mal de recul, hein. Une petite poignée là-dessus, ça devrait être parfait. Elle a pas. Ouais, elle est pas elle est putain de lourde et tout. Ça va, elle est assez agréable. Oh le shoot mon gars. Shoot de merde là. Hein. Ah ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps aussi. Vous me pardonnez.
Bon, par contre, elle est un peu longue à recharger, mais bon, ça c'est normal. Mais putain, mais il compte sa mère, ce bâtard de merde. Ce bâtard de merde. Hop, petite double kill. Bon, ça va, ça se passe pas. C'est pas trop mal là ce que je suis en train de faire. Bon, tu l'as eu. Je me doute toujours. Enfin, je me méfie toujours un peu des spawns. Putain de bâtard. Nick, ta maman. Oh là là. Oh, ça, putain, là-dessus, vachement vite, je trouve. Hein. Je mets un peu mes balles un peu n'importe comment, mais je trouve que... Ouais, je me fais tuer vachement rapidement quand je me fais tuer avec cette arme là. On chouque, enfin ça, franchement elle est pas mal. Hein. Ouais, genre, mais allez, le mec il sait même pas où il va, quoi. Mais arrête de rager, dude. Putain, par contre, lui m'a fait mal au snipe. Naufrage de mon recyclage, hein, comme dirait Valek. Qui le dit pas. Ok, d'accord. Putain, les gens ils sont chauds. Putain, j'aime bien la mire en tout cas de cette arme. Je la trouve agréable. Toi t'es un bâtard. Je te le dis clairement. Donc ça va, c'est plaisant. Hop. Je l'ai vu mon gars, je l'ai vu avec son pompe. Arriver droit sur ma gueule. Genre en mode bonjour, je suis un fils de pute. Putain. Oh oh oh. Un secondaire. C'est bon, t'as annulé le rechargement. Et voilà, je te défends. Je suis trop chaud mon gars. Faut pas me chercher. Et ouais. Mais va te faire ! Putain de pompe. Sauf que le pompe sur Advent Surfer et puis la merde quoi. Mais non, il y a toujours un connard pour y jouer quoi. Ok, je croyais qu'il était AFK le mec. Je suis pas trop. Hop. Toi je te def. Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a du. Putain. Et les gens ils se touchent le cul mon gars, ils sont là, vas-y vas-y protège mon cul pendant que je bute les fils de chiens. Ah d'accord, j'ai fait le dernier kill en plus. Donc ouais plutôt moi je pense que je vais bien jouer avec cette arme, je l'aime beaucoup. Après j'ai pas testé l'autre. Mais ça fait comme la première arme du DLC, on en a deux. Enfin on a deux variantes en fait, donc c'est cool, ouais c'est cool. Donc j'espère que cette vidéo sur Advanced Warfare vous aura plu. Et puis bah n'hésitez pas à lâcher un j'aime bien, un petit commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.